Bonjour, mesdames et messieurs, je vous salue depuis le centre de Moscou, depuis ce centre-ville de la ville capitale de la Russie. Je vous filme le ciel nuageux de notre ville grise, aujourd'hui un peu azuré grâce aux rayons de soleil qui s'infiltrent à travers les nuages que vous voyez maintenant. Mais je crois que vous regardez plutôt le gratte-ciel de l'époque soviétique qui est devant vos yeux. Alors, on peut vous pardonner cette curiosité à l'événement marquant l'époque assez considérable pour le peuple russe et surtout pour les gens qui habitaient à l'époque notre ville de Moscou que je vais continuer à filmer. À la fin des fins, on va paraître les jours beaux. Les jours chauds, la température est assez haute. On peut se promener dans ces heures-ci quand il n'y a pas trop de monde. Comment dire en russe ? Quelle heure est-il, mes chers Français, les gens qui s'intéressent à la culture, à la langue russe ? Comment dire ? D'accord. Je m'excuse, monsieur. Vous pouvez dire comment... Comment dit-on en russe quelle heure est-il? Skolko vremya? Et mojeti povtorit pardonnez-moi, izvinite. Skazhite, пожалуйста, на русском без акцента? Skolko vremya? Mojeti povtorit? Нет, повторите, пожалуйста, вопрос. Skolko vremya? Merci beaucoup. Et voilà, on peut continuer. Vous avez déjà entendu? Comment ça se fait en russe? Quelle heure est-il? C'est toujours... Skolko vremya? Skolko vremya? C'est pas très correct, en fait. Nous nous trompons quand nous le disons, parce que d'après les règles grammaticales, il faut dire un peu autrement. Je vais vous dire comment... Il faut le dire plus correctement. Il faut dire Katori chas. Katori chas. Et pas Skolko vremya. Mais quand même, nous disons toujours les Russes. Je sais pas pour quelle raison. Il y a un truc qui s'appelle usus, peut-être vous savez. Alors d'après la manière usuelle, nous préférions vraiment dire Skolko vremya. Au lieu de dire Katori chas. Eh bien, c'est une petite ruelle qui nous mène à la grande artère de Moscou qui a le titre, qui est intitulé le boulevard de ceinture, qui fait la ceinture au centre de la ville. Alors devant nous, je vais montrer plus proche, hein, c'est les chemins de fer de Russie. Et vous voyez l'heure maintenant. Comment dire en russe? Quelle heure est-il? Katori chas. Ou bien, si vous préférez dire comme le font les Russes, vous pouvez dire, hein, pas trop grammaticalement correct, mais Skolko vremya. Alors, et en ce qui concerne les chiffres, je vais vous donner tous les chiffres maintenant. Alors, tous les nombres dont vous avez besoin pour bien compter à travers ce que vous voyez. L'horloge nous montre qu'il est 9h32. Alors, allons faire les chiffres. Ah, les nombres, pardon. Les nombres cardinaux. 1. En russe. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Alors, faisons des nombres cardinaux. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Continuons. Certainement, quand je dis merci, je voudrais bien exprimer l'idée que vous suivez la recommandation de répéter plusieurs fois les nombres et les mots que je vous prononce pour raffermir à l'acquis. Les automatismes que vous allez faire alors vous seront vraiment nécessaires pendant votre voyage, votre trajet à Moscou. Certainement, bien, pour pratiquer la langue, il faut être dans le milieu. Si vous n'avez pas maintenant cette possibilité, allez, on apprend, on se fait ce qu'on appelle une présupposition. D'accord ? Eh bien. Alors maintenant, on est dimanche, il n'y a pas trop de monde, il fait assez beau. Quelle est la température maintenant ? L'agence. Ici, c'est écrit. Главный вычислительный центр. Le centre de calcul principal. Alors, le temps, 9h33. 14 degrés Celsius. En russe, 14 градусов. 14 градусов. 14 degrés Celsius. Centigrade. En russe, ça ne fait pas, on dit plus 14. En russe, on dit tout simplement plus 14. Ce qui donne à comprendre qu'il est 14 degrés au-dessus de zéro. Et si vous le voulez, au-dessus de zéro, c'est выше нуля. Allons poser encore une question à une fille pour bien prononcer quelques phrases. Peut-être. Je m'excuse, mademoiselle, pouvez-vous dire tout simplement répéter як говорю немножко можете повторить вопрос attention, je m'excuse une minute который час non, tout simplement который час merci, encore une fois который час merci, je filme pour les il y a une image de la France merci, ben. Merci. Alors, pardonnez-moi, en fait, je ne veux pas être le seul russe à avoir l'envie de vous faire apprendre le français. Je crois que c'est très intéressant, bien beaucoup plus intéressant, de voir comment un russe le prononce dans la capitale de Russie. À Moscou, nous sommes maintenant, je fais ce film pour vous, mes chers Français. Je voudrais bien, quant à moi, l'affermissement de nos rapports culturels entre la France et la Russie, je les crois très avantageux et mutuellement avantageux pour les deux nations, pour nos deux peuples qui sont vraiment unis. C'est pas parce que cette année, c'est le bicentenaire de l'anniversaire de la grande bataille, la grande guerre patriotique de 1812 entre nos peuples, mais pour ce que nous unit à travers le temps. Nous nous aimons vraiment, d'après moi. Quand même, j'aime la culture française, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui apprennent le russe, c'est pour vous. Alors maintenant, les voitures qui passent devant moi, donc dans la rue, qui a un nom de boulevard de ceinture, comme je vous avais dit. Eh bien, maintenant c'est le métro. Krasnye Vorota, c'est une station de métro, alors fait traditionnellement comme un grand monument de métropolitain, c'est aussi un monument. Vous voyez comment cela s'est fait au début des années 1900, c'était 1930, oui. Le métro de Moscou 1938, si je ne me trompe pas, mais quand même c'est pas les années 40. Alors c'est une des premières stations de métro. L'architecture typiquement soviétique. Allons voir un peu plus loin. Alors, à droite de moi, vous allez voir un gratte-ciel. Non, ça ne suffit pas d'un. Alors, une affiche des Vengeurs d'un film qu'il faut absolument aller voir si on aime le grand film à succès, le grand film à action, en fait. Quand même, Marvel, hein, merveille.
Mais plutôt, je parle de ce grand bâtiment, en fait, qui gratte le ciel, qui peut s'appeler peut-être gratte-ciel. Oui, il y en a 7 à Moscou, fait à l'époque soviétique, pour donner une idée de la gloire architecturale de nos architectes soviétiques. Tout est gris, vous voyez les nuances, des couleurs sont grises. Il y a trop de bruit quand même. 15 millions d'habitants, qu'est-ce que vous en voulez? 15 millions d'habitants, il faut donc les mettre quelque part. Quelqu'un dans les voitures, les autres dans le métro, alors dans le sous-sol. Alors peut-être encore une question. Il faut vous apprendre le russe. Je ne l'ai pas oublié, non, non. Alors, qu'est-ce que vous voudriez bien savoir en russe? Par exemple, comment dire, qu'est-ce qu'il fait beau? Mademoiselle, je m'excuse. Un moment, comment dire en russe? Немножко. Can say in Russian? In Russian. In Russian, okay. Good. It's a good. It's a good weather in Russian. And to, once again. Хорошая погода. Thank you very much. Eh non, j'ai failli commencer à parler russe. Hein. Attention, c'est vraiment difficile, mais c'est pour vous quand même, pour vous divertir, en vous faisant apprendre le russe. Ah, eh bien, on dit toujours la même chose. On dit il fait beau en russe. Je vais vous le répéter. Cette madame vient de dire хорошая погода. Хорошая погода. Ouais, ça s'écrit avec хорошая, mais хорошая погода. Il fait beau. Il fait beau. Maintenant, c'est le temps est très beau vraiment. En russe. Хорошая погода. Apprenez le russe. Allons le faire ensemble. Je crois que ce sera vraiment intéressant. Alors, c'est pas toutes les journées qu'on puisse avoir le temps pour le faire, pour le filmer, pour poser des questions à des Russes, à des passants quand même, mais ils sont très disposés ce dimanche pour donner leurs réponses. Certainement que j'ai eu du bol à parler avec une madame qui parle anglais quand même pour exprimer tout simplement ces petites phrases. Autrement, j'aurais dû imiter, peigner une patte russe. Peindre, pardon. Mouche, les infinitifs. Il y a trop de bruit quand même. Je m'y suis habitué parce que je suis né ici. On pointe cette ruelle, cette rue qui s'appelle Sadovaya Spaskaya. Alors j'y suis né, c'est pour ça que le bruit donc n'y est pour rien pour moi. Je m'y suis habitué. Mais on peut dire à coup sûr que j'aurais bien préféré ne pas y être habitué, ça c'est vrai, c'est sûr absolument. Là-bas, si on s'engouffre dans cette ruelle, on voit, vous verrez maintenant, alors, d'une façon un peu plus rapprochée, ce sommet de l'établissement de ce gratte-ciel qui a pour titre Leningradska Hilton. Oui, c'est un hôtel pour le moment, mais c'est un gratte-ciel numéro 2, si vous voulez. Alors, parmi ces 7 dont je vous ai parlé un peu plus avant. Voilà. Je crois qu'il faut faire une petite pause entre cette leçon et l'autre. Alors, pour ne pas vous surcharger d'informations, je blague, en fait, parce que je ne sais pas pour le moment, qu'est-ce que je devrais vous présenter encore comme une phrase à apprendre dans le russe. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Alors, écrivez-moi, je vous prie, sur la page. Bien, vos commentaires sont les bienvenus au-dessous de ce vidéo avec les phrases que vous voudriez bien connaître en russe. N'hésitez pas à le faire, en fait, je suis vraiment disposé pour vous aider parce que ça me fait plaisir. Apprenez le russe et bonne journée.